Dans tous les quartiers, il y a une Alberta Fromm. Et toutes les femmes comme Madame Fromm ont un chat. Lorsqu'elle voyage, Madame Fromm s'arrange pour faire garder son animal adoré par ses amis. En tout cas, cette fois-là, elle fut contrainte de le laisser à sa voisine, Suzanne Mayer. Madame Fromm appréciait Suzanne. Mais c'était de notoriété publique dans Wisteria Lane. Suzanne Mayer rimait avec malheur. La malchance pouvait la guetter au coin de la rue, comme dans les situations extraordinaires. Ça va, Suzanne? Catastrophe. Et même carrément bizarre. Madame Fromm s'en alla, la peur au ventre, craignant que la malédiction de Suzanne ne continue et ne s'abatte cette fois sur son chat. Monsieur Moustache! Minou! Allez, à table! Où il est, hein? Tiens, c'est bizarre. Les chats, ça n'ouvre pas les tiroirs. Tu les aurais pas laissés ouverts ce matin? Non, pas du tout. Waouh! Tu crois qu'elle s'est fait cambrioler? Monsieur Moustache! Monsieur Moustache! Monsieur Moustache! Monsieur Moustache! Monsieur Moustache! Minou! Sans que Suzanne ne s'en aperçoive, la chance avait enfin commencé à lui sourire. Par nature, les êtres humains sont toujours sur la défensive. Attention ! Ils tentent d'empêcher les gens de l'extérieur de pénétrer dans leur monde. Mais il y a toujours ceux qui s'imposent dans nos vies et ceux que nous invitons avec plaisir. Bonjour. Ceux qui restent néanmoins les plus inquiétants sont ceux qui, de l'extérieur, nous observent. Ceux que nous ne connaîtrons jamais vraiment. La banlieue est un champ de bataille, une arène pour toute forme de combat domestique. Les maris entrent en conflit avec leurs femmes, les parents croisent le fer avec leurs enfants, mais les batailles les plus sanglantes sont souvent celles qui opposent les femmes à leur belle-mère. La guerre pour le contrôle de Carlos avait commencé le soir où il avait demandé à Gabrielle de l'épouser. Et depuis, Gabrielle ne cessait de perdre du terrain face à Juanita. Du contrat prénuptial qu'elle signa à contre-cœur, à la musique du mariage qui ne lui inspirait que du mépris, à la couleur de la façade qu'on lui avait imposée, Gabrielle avait subi défaite sur défaite. Comme c'est joli le roman blanc à droite. Et maintenant que Juanita soupçonnait sa belle-fille d'avoir une liaison, il devenait évident que dans cette guerre, Madame Solis, je vais au marché. Personne ne ferait de quartier. Merci, Yaoline. Oh, je ne vois pas pourquoi vous avez une bonne. J'ai besoin d'aide vu la taille de la maison. On peut parler d'aide uniquement quand on fait une part du travail soi-même. Je supervise. Vous la payez 300 dollars la semaine. Mm-hmm. Ce qui fait un total de 15 000 dollars par an. Venant de toi qui n'arrête pas de dire que tu n'épargnes pas assez pour ta retraite, ça m'étonne. Oui, bébé, ce serait une bonne idée de réduire un peu nos dépenses. Tu veux que je m'occupe toute seule d'une maison aussi immense que celle-ci? Les autres femmes y arrivent. Ça te plaît? Oh oui. Oh là là, ça m'a manqué. Comment ça? Eh ben, vu que
Je vais être obligée de faire le ménage, la cuisine et toutes les courses comme les autres épouses. Je serai complètement HS le soir, comme toutes les autres épouses. Jusqu'à ce que je reprenne du poil de la bête, bien sûr. Ce qui peut prendre tout de même quelques années. Malheureusement pour Juanita, elle n'avait pas tenu compte de la règle de base en temps de guerre. Bonjour, Carlos. La bonne reste. Ne jamais sous-estimer son ennemi. Dès notre plus jeune âge, on cherche à être le plus fort. Dans notre enfance, on nous a appris que les forces du bien l'emportaient sur les forces du mal. Mais en vieillissant, on se rend compte que ce n'est pas aussi simple que ça. Le mal, lui, laisse des traces indélébiles. Le mot « compétition » a un sens différent pour chaque personne. En banlieue, cela signifie « être au même niveau que son voisin ». Dans Wisteria Lane, cela signifie être à la hauteur de Brie Van de Kamp. Tout le monde savait que Brie avait la plus belle pelouse du quartier. Et personne ne rivalisait avec elle sur ce terrain. Personne, à part Martha Huber, dont la pelouse était bien pâle en comparaison. Elle avait beau la tondre minutieusement, l'arroser avec amour, lui administrer généreusement toutes sortes d'engrais, l'herbe était toujours plus verte de l'autre côté de la clôture. Bonjour Victor, comment allez-vous? Toujours votre jogging? J'arrive plus à respirer. Vous voulez peut-être un petit coup d'arrosage? N'ayez pas peur. Je vous appelle une ambulance. C'est ainsi qu'un jour, Madame Huber eut l'occasion de battre sa voisine à plate couture. Appelez une ambulance! Je crois qu'il faut augmenter l'accent. Oui, Madame Huber venait d'apprendre la première règle de la compétition. Pour gagner, il faut vraiment en avoir envie. La compétition a une signification différente suivant les gens. Mais qu'il s'agisse de rivalité amicale ou de combat sans merci, santé, le résultat est le même. Il y a des vainqueurs et des perdants. L'important est de savoir dans quelle bataille on peut s'engager. Parce que chaque victoire a un prix.